Je m'appelle Van Quenebrouck Amélie, j'ai 28 ans et ça va faire 7 ans que je suis sortie de l'école. Donc l'école est là actuellement, mais moi c'était la Haute École Roi Baudouin à l'époque. C'était une petite école, donc les profs nous connaissaient, ils savaient notre prénom, notre nom de famille, ils savaient notre vécu, comment est-ce qu'on s'en sortait sur les stages. On avait des retours des infirmières qui nous supervisaient. Par exemple, en première année, c'était 3 stages. Moi, à l'époque, c'est plus des soins d'hygiène. En deuxième année, on était à 6 stages. C'est plus les soins techniques, sondage vésical, sonde gastrique, prise de sang, mise en perfusion. Et puis la troisième année, il y avait presque plus de cours et beaucoup de stages. C'est beaucoup plus complet parce qu'il faut rajouter aussi le TFE dans l'histoire. Donc, c'était une année fort chargée. Je dirais être à l'écoute et garder à l'esprit qu'on est là pour aider le patient. On est là pour le soigner, on est là pour l'écouter et on est là pour l'accompagner, pour accompagner les parents si c'est un enfant, pour accompagner la famille si ça ne va pas bien. Des fois, on ne fait pas que des piqûres, on s'assied et on discute, souvent même.